Mesdames et messieurs, bonjour. Ramadan Karim à tout le peuple algérien, mais aussi à notre communauté établie à l'étranger. Comme chaque année, Ça tient la route vous accompagne durant tout le mois de Ramadan avec des reportages visant à sensibiliser les usagers de la route quant au danger de certains comportements inconscients. Un nouveau drame sur les routes algériennes. Un accident de la route a fait plusieurs morts jeudi 21 mars dernier sur l'autoroute de Béjaïa. Ce tragique accident a coûté la vie à 8 personnes, selon un bilan de la protection civile. Alors qu'il n'était que 10 heures du matin, lorsqu'une collision est survenue sur l'axe de la pénétrante Béjaïa Hnif, wilaya de Bouira, entre un camion semi-remorque et un taxi collectif. Les causes à l'origine de l'accident et les conditions dans lesquelles il s'est produit ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte à cet effet par la gendarmerie nationale. On les voit sur les autoroutes quelques minutes avant l'Iftar. Il s'agit des bénévoles des différentes associations qui proposent des repas aux automobilistes. Un comportement qui met leur vie en danger. D'ailleurs, le Croissant Rouge algérien a perdu deux de ses bénévoles le mois de Ramadan dernier. Abdelmajid Marwani est le nom d'un jeune bénévole qu'a perdu le Croissant Rouge algérien le mois de Ramadan dernier. Ce jeune homme, dans la vingtaine, est décédé dans un accident de la circulation au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Le drame s'est produit alors que Abdelmajid distribuait des repas pour l'Iftar aux usagers de la route quelques minutes avant la rupture du jeûne. Pour éviter que d'autres drames surviennent, le Croissant Rouge algérien a pris des mesures pour protéger ses volontaires. ...20 000 volontaires du CRA sont assurés chaque année. En fait, c'est un chiffre forfaitaire. On fait des assurances forfaitaires pour que nous, tous nos volontaires, que ce soit présents aujourd'hui ou qui vont s'inscrire au cours de l'année, bénéficient d'une assurance internationale. Il y a eu une directive aussi du siège national qui a été claire, qui a été diffusée à tous les comités de wilaya concernant les activités au niveau des axes routiers. On a essayé d'épargner nos volontaires parce qu'ils sont vraiment dans une perspective de faire le plus de bien possible, d'aider les routiers. Donc on a déjà installé, une trentaine de restaurants sur l'axe routier Est-Ouest, sans compter les autres axes routiers, les routes nationales sur tout le territoire algérien. Mais aussi, on a interdit aux volontaires de distribuer de façon individuelle au niveau des axes routiers. هذه السنة الوجبات الإفطار مش راح تكون على مستوى الطريق السيار وكذلك. Pour cette année, les repas de l'Iftar ne seront pas distribués sur les axes routiers, mais dans les aires de repos se trouvant sur les autoroutes. À travers cette opération, nous visons à réduire les accidents de la route. La présidente du CRA annonce que des chapiteaux seront placés dans quelques stations de l'autoroute Est-Ouest afin de permettre aux routiers, notamment, de rompre leurs jeûnes en toute sécurité. Il y aura un grand chapiteau déjà au niveau de Jibahiya. Ça, c'est un rituel annuel du CRA. Donc, il va servir plus de 1000 routiers. Il y aura un grand chapiteau à Indefla. Je parle des grands chapiteaux. Hein. Après, il y aura aussi à Liéchir, il y aura à Oued El Athmania, il y aura à Sitif, il y aura pratiquement, il y aura aussi à Tissimsil, Tatiaret, à Chlef. Donc, sur tout l'axe routier, il y aura 4 ou 5 grands chapiteaux, plus des points de distribution avec la gendarmerie nationale. Et des points aussi de sensibilisation, parce qu'il faut déjà sensibiliser ces routiers qui doivent
qui doivent se garer, se reposer une demi-heure avant la rupture du jeûne, qui doivent aussi se reposer un tout petit peu après la rupture du jeûne. Il y a tout un process. Distribuer le repas aux automobilistes sur les axes routiers met la vie des volontaires en danger. Le Croissant Rouge algérien lance un appel à la vigilance. On ne peut pas interdire aux gens de faire ce genre d'activité caritative. J'incite toutes les associations à souscrire à une assurance pour ces volontaires. Je sais que c'est pas grand-chose. Ça leur permet aussi de bénéficier au moins du meilleur soin possible. Notre équipe a visité le siège du Croissant Rouge algérien de Sétif à la veille du mois de Ramadan. Notre venue a coïncidé avec une session de formation en secourisme prodiguée aux nouveaux volontaires du CRA. À travers les sessions de formation des gestes de premier secours, nous visons à séduire les bénévoles afin de sauver le plus de victimes possible. Le nombre chaque jour augmente. Nous avons 300 personnes. لي رانا يعني استقطبناهم يعني احنا كنا غير في 9 في المكتب الولائي وبشويه بشويه يجيو يقولوا لنا والناس يعني استحسنت هذا باسكو حنايا اون في دي سورتي احنا ما نقعدوش شوفوا بصموها مع هذا الجزء هذا الجزء العلوي وهذا الجزء السفلي ياك النص تاع الجزء السفلي نقسموا هذا الدوزيام نقسموا على هاي وين تجي النص تاع Les premiers secours apportés à la victime lors d'un accident de la route peuvent lui sauver la vie. Le CRA insiste sur cette formation, notamment à l'approche du mois sacré. La formation, elle est d'abord primaire, initiale. Elle est d'abord donnée à tous les bénévoles. Elle se résume au port du gilet. Elle se résume à la formation initiale qu'on donne à tous les bénévoles, à tous les initiateurs. Et ensuite, elle est prodiguée par des personnes spécialisées, des médecins, des anciens encadreurs au niveau de Croissant Rouge. Elle est d'abord initiée au niveau du bureau, puis chaque personne qui en sort, il doit d'abord répondre à quelques critères. Les critères, c'est d'abord le port du gilet qui est obligatoire, le port de la casquette, c'est en quelque sorte c'est une sécurité. Le bilan des accidents de la route s'alourdit à chaque mois de Ramadan. Pour éviter que des drames routiers ne surviennent, un seul conseil, respecter le code de la route. Un autre comportement inconscient est celui des automobilistes qui s'arrêtent sur les routes pour acheter de la galette, provoquant parfois de graves accidents de la circulation. Sans parler des personnes qui vendent le pain traditionnel sur les routes, il s'agit parfois même des enfants. Reportage. Il n'y a pas que l'excès de vitesse et les manœuvres dangereuses qui provoquent des accidents de la route. D'autres facteurs entrent en considération, comme la vente de la galette en bordure de route. Ici, sur la route express menant à Ain Defla, on aperçoit des enfants et adolescents vendant le pain traditionnel aux automobilistes. Des enfants aguerris au danger par l'innocence de leur âge. L'image fait partie du quotidien et s'accentue durant le mois de Ramadan dans de nombreuses régions du pays. C'est bien de gagner honnêtement sa vie et subvenir aux besoins de sa famille, mais pas en s'exposant aux risques. Il y a eu des actions continues qui se font. Malheureusement, des personnes âgées également le font en bordure de leur ferme ou à la limite des espaces agricoles. Nous veillons à ce que ça ne se fasse plus et les avons déjà invités à ce que cette activité se fasse dans les espaces spécialement aménagés pour ce faire. Alors que ces vendeurs sont principalement des enfants qui ne mesurent pas la gravité de leurs actes, les automobilistes sont en revanche dénués de tout bon sens. Ils n'hésitent pas à s'arrêter en plein autoroute pour acheter du pain.
والله راهما يحلي لهم مساكن بصح ريسك بزاف وطوروت تقيس طوموبيل سي مالور لا سي غيدو واللي يشري سي راه في الدونجي قاعد كاين بزاف اللي ما يديروش فودي تراس يحبس شغل شغل راه ما على باليش شغل ان كارتي ولا يا بنادم يرد باله بزاف ايه رد فودي تراس بزاف حوايج بزاف سوتالو طوروت ما ترحمش. Interrogé sur ce phénomène, le wali de Aïn Defla appelle ses citoyens à faire preuve de sagesse et de ne pas exposer leur vie au danger. C'est une activité à laquelle nous prêtons attention. Et avant surtout décider de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de ces jeunes enfants qui sont envoyés souvent par leurs parents pour des considérations, j'allais dire, de solidarité familiale, et essayer d'apporter un revenu supplémentaire au foyer, en oubliant le danger que représente la route pour ces jeunes poussins et qui se livrent parfois à des gestes dangereux, en voulant donc proposer le produit familial à la vente, hein, tout produit confondu. Inconscients, les automobilistes s'arrêtent sur les bandes d'arrêt d'urgence et encourent des risques d'accident. L'irréparable peut survenir et provoquer le drame, tant redouté à un moment d'inattention. Nous arrivons à la fin de ce premier numéro du mois de Ramadan. Je vous dis sahaf tolkom et prudence sur les routes. À bientôt.